Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour S-Land. Je l'ai acheté sur l'eShop au prix de 19,90€. On va voir ce que ça va donner. J'en sais strictement rien pour le moment. Le jeu est sorti depuis un an, jour pour jour, le 13/1/2022. Au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol et tralala, il y a le français, c'est le principal pour nous. Au niveau des manettes, Joy-Con et Pro Controller, tu peux y aller. Et la taille fait environ 507 MO. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Sachant que ce jeu là était avant disponible et toujours, je pense, disponible sur Android, sur le Google Store. Edland est un monde imaginaire fantastique aux couleurs chatoyantes et habité par des créatures rigolotes. Mais une force extérieure sinistre menace de voler l'émerveillement et les couleurs de ce monde. Rejoignez Nurse dans une aventure palpitante. Ah bon? On va voir ça. Aidez-le à construire le cœur d'imagination et sauver Edland. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu était sur Android et il a été retravaillé pour les utilisateurs de la Switch. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. On est sur Edland, on va voir ça tout de suite. Et c'est développé et édité par Northplay. Pour la présentation du jeu. Qu'est-ce que ça donne? Au niveau de des commandes, là je peux appuyer sur B, je peux appuyer sur ZR pour courir. J'ai rien affecté et pour déplacer mon personnage, j'utilise le joystick de gauche. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Et ces glands sont vraiment pénibles. J'ai vu ton épée en bois. Elle est sur l'autre rive de cette rivière. Va vite la chercher. Ok. On commence déjà avec des glands, ça commence bien. Et là j'ai mon épée en bois. On voit très clairement qu'on est sur une version Android retravaillée. Là, on le voit clairement. J'ai vu pire sur Nintendo Switch, mais j'ai vu mieux. Et là, on le voit bien par rapport au design et tout ça. On parlera pas du foliage. Complètement moisi. J'espère que le jeu est bien. Donc là, on a une petite épée que je manipule avec A. Une épée en bois. Ok. Donc là, je coupe pas mal de choses. Je pense qu'il y a un petit peu de farming dans le jeu. On verra. Oh, super, des glands. Donc, j'ai pas de shield. Donc, pour l'instant, c'est à la zone. Et tu te débrouilles. Et merci, j'ai des jolis nains juste à côté de moi. J'ai l'impression... Ah, on peut pas tourner avec la caméra. J'ai l'impression que le jeu, il merdouille un peu. C'est pas fluide. On verra ça un peu plus loin dans le jeu, mais... J'ai un peu peur, là. Hop, je suis l'âme canon. Tout. Nickel. Bon, au niveau du son, c'est pas fifou non plus. Voilà. Il y a une petite musique. Bon, les effets sonores, bruitage et tout ça, c'est pas ouf non plus. J'ai vu mieux. Attention, on parle d'un jeu à 20 balles. Hein. Je parle pas d'un jeu où j'ai acheté 5 balles. Hein. Les pouvoirs d'imagination n'ont pas fonctionné. C'est peut-être la pluie. J'ai mis 20 balles dedans. Et pour l'instant, voilà. C'est un peu poussif. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Un point de checkpoint. Hop, du bois. Une minute. Quelque chose de sauvage se cache dans ces boîtes. C'est le moment de l'imagination. Magnifique. Un truc là. On va faire. Ok. Ah! Donc j'ai 3 cœurs. J'ai pas de shield. J'ai une épée en bois. Et je dois vaincre des glands. Magnifique. L'histoire est super. Ouais, ok. Impeccable. Ah ah! On est encore bon. Allez, on continue. C'est pas fifou pour le moment. Hein. Ah, l'éclate. J'espère que l'histoire va être un peu mieux parce que pour l'instant je me fais un peu. Par contre, pour des enfants, ah, j'ai oublié un checkpoint. Bon, c'est pas grave. Chips, il y a un problème dans Edland. Faut qu'on aille dans un endroit sûr. Ah, tu t'inquiètes trop, Tim. C'est seulement de l'appui. Oula, oula. Le boss. Le moment est venu. Ok, il prend son cœur là. On se courrait dans. Ah non, Sonic. Cela ne t'appartient plus. On sait ce qu'on va aller chercher. Y a pas d'intrigue. Ah, on a des petits monstres. Alors, est-ce que je peux aller dans le truc noir? Je ne sais pas, je vais attendre. Allez voir, hop, moi ouais, je peux y aller. Du coup, ils se mettent en sauvegarde. Enfin, pas en sauvegarde, mais. Hop. Et. Donc, j'en ai tué un. Vas-y, bah viens par là. L'IA est pas fifou non plus. Hein. Ah, c'est pas... c'est le début du jeu, mais oulala. C'est pas trop dur, c'est bien pour la présentation. Est-ce que ça va? Mon cœur d'imagination. Ils l'ont cassé en fragments. Il faut aller au radeau des robots. Une fois là-bas, on pourra trouver une solution pour ton cœur d'imagination. On pourra peut-être récupérer les fragments. Is my mission. Ok. Donc c'est bien qu'il y ait des checkpoints partout. Nous, le jeu, il est archi bien pour les enfants, sur le côté maniabilité, puisque du coup, il n'y a pas beaucoup de boutons, il n'y a pas trop de prise de tête. Il est assez simple.
Donc si je le prends pour un enfant, c'est parfait. Par contre, à 20 balles le jeu, je pique un peu. À 5, 6 balles, allez, 8 balles max, ça l'aurait fait, mais là, trop cher. Pour ce que c'est. Ah. Ah oui, évidemment. Ouais, j'ai plus de cœur. Ah oui, je vais récupérer. Ah, j'ai un truc d'idée, j'ai 32, j'ai 3 pièces. Bon, on verra. À quoi ça sert, je suis niveau 1 et j'ai 5 sur 400 d'IP. Allez au navire, ok. Jamais on pouvait l'atteindre. Laisse-moi faire. Oh, attends. Est-ce que tu as de l'imagination pour créer un pont? Non, j'en ai pas assez, j'en ai que 34. Donc, je peux créer des choses. Ah! C'est surtout lui qui me saoule en fait. Hop. Voilà. Non, ça va, les glands sont pas trop durs à combattre. Et lui, il peut envoyer des. Voilà. Donc là, j'en ai un peu plus que prévu. J'en ai 41, donc je vais pouvoir construire son pont. Sans problème. Ouais, c'est bon, c'est activé. Et du coup, je peux construire. Ok. Donc, c'est des orbes d'imagination qu'on récupère pour construire des choses avec notre imagination ou l'imagination du robot. J'aurais pu faire ce pont les doigts dans les. Bah, évidemment. Si seulement ce verre stupide m'avait cassé. Ne m'avait pas cassé mon imagination, mon cœur d'imagination. Autant pour moi. Allez au navire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai l'impression qu'il y a des baisses de framerate dans le game. C'est un peu chiant. Je demande pas du 60 FPS. Déjà du 30, ça serait pas mal, mais j'ai l'impression des moments de jouer à 10 ou 15 FPS. Dites-moi si vous avez le jeu sur votre console, si c'est pareil pour vous ou si ça vient de moi. Alors, c'est le radeau des robots. C'est moi qui le dirige, mais il y a d'autres robots aussi. Tu peux aller leur parler si tu peux. Qu'est-ce qu'il me faut là? Si je veux ça, il me faut 75 pierres et 25 trucs. J'en ai que 3, donc j'ai pas de pierres. Et puis en bois, là, ça à mon avis, c'est pour travailler. Ok. Est-ce que mes pouvoirs sont juste partis? Je me demande s'il y a un moyen de réparer mon cœur d'imagination. Eh oui, on va récupérer tes fragments, t'inquiète. Là, je peux... Ok, c'est incroyable. Là, c'est ce que je fabrique. Regarde toutes ces magnifiques choses que tu as fabriquées. Pourquoi je n'ai jamais été si peu inquiet. Là, j'ai une épée plus, mais je peux rien faire pour le moment, je crois. Ah, si. Ah, j'ai récupéré un truc cool. Bon, le cœur, j'en ai pas besoin. Est-ce que je peux le prendre là? Non, dommage, level 2. Donc là, si j'appuie sur plus, j'ai une épée level 1 avec un revers à 125%, attaque, dommage. Ok, donc là, j'ai appuyé sur plus tout simplement. Le petit plus en haut là, le con ou de la manette. Salut, tête de viande, c'est toi. C'est quoi ce bâton que tu tiens dans les mains? C'est une épée? Tu ne vas pas aller loin avec ça. Amène-moi une clé turquoise. Alors, je te donnerai une chance d'obtenir une meilleure arme. Déjà, c'est bien, il y a pas mal de challenges, il y a du farm et tout, ça peut être intéressant. Donc c'est à dire que la durée de vie du jeu peut être longue, en espérant qu'elle soit longue. Si on fait, si on se met à part sur les graphismes, c'est pas trop mal. Ok, là il y a un livre, et là je peux rien faire. Là il y a quoi? Ok. Viens me voir quand tu seras prêt à recevoir un plan. L'escalier indique que les gardes livides essaient de s'enfuir avec les fragments. Ok, cette arbre là-bas t'emmènera à la surface. Mais est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Ça va être très dangereux en bas. Ah, Nord n'a rien à craindre. Bon, nous on va y aller, hein. Allez, nous on est des warriors, on y va. Ok, donc là on est dans un nouveau monde. Retour au radeau, super. Là il y a quoi là? Ok, là il y a une porte. D'accord. Et pour l'instant c'est verrouillé, donc à mon avis il faut déverrouiller tout ça pour pouvoir avancer dans le jeu. Et là on y va. Donc on va sauter dans un autre monde. Bon, c'est assez coloré. On va part au début où c'était un peu terne, mais là ça va. C'est pas moche. On va aller trouver ces gardes livides. Et on va récupérer mes fragments. Et bien sûr, on va le faire, on va tout faire. Ah, ça c'est genre. Là c'est à ce moment-là que je vous parle. Là je sais pas si vous voyez. Bah, pour moi c'est pas fluide. Un peu chiant. On va éviter. Ah là. Ouais, dès qu'il y a du monstre, c'est mort là. Hein. À la Switch. Enfin, le jeu. Hein. Je pense pas que ce soit la Switch. On a. Allez, je récupère un peu de pierre, c'est bien. Ouais, oh, je me suis fait toucher là. Quoi, c'est bien. Hop, en blanc. Et... Ah, et le fait de pas avoir de shield, c'est chiant. De protection, rien du tout là. Du coup, le jeu le sait, parce que du coup, il te file un cœur derrière. Bon, après, je suis mauvais en jeu, hein, ça vous le savez. Et c'est quand il veut, hein. Ouais, c'est quoi ce délire? Ah oui, d'accord. Je saute dans n'importe quoi depuis tout à l'heure.
Parfait. On a récupéré ça, j'en ai 31. J'espère que je vais avoir des trucs à construire avec mon imagination. Ça serait bien. Bon bah le loup, il a pas été trop dur. Ah là, ça ramoule. Hein. Ah là 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 là. C'est pas beau. Là, j'ai 15 images secondes. Même pas. Allez, on continue encore un petit peu. Les champignons sont magnifiques. Juste à waouh. Ça me rappelle. Tu savais que tu avais un pouvoir de bouclier. Ah, c'est génial vraiment. Tiens, laisse-moi charger ton champ de force pour toi. Tu dois appuyer sur Y pour l'activer. Okay. Appuie pour sur Y hein, pour nous, pour la Switch, pour activer le champ de force. Ok. Magnifique. Et là, regarde-moi tous ces glands. Ça colle un peu au palais. Laisse-moi charger ton champ de force à la puissance maximum. Va les prendre. Vaincre les glands. Waouh. Le champ de force il est vraiment pratique. Comme ça on est tranquille. Par contre je peux pas les désactiver quoi. Ça se désactive tout seul. Et je sais pas comment. À part l'activer on peut pas le désactiver. Ça c'est chiant. Quel spectacle! Pour charger ton champ de force, tu dois taper des trucs. Ton champ de force devient plus puissant lorsqu'il est complètement chargé. Mais tu peux t'en servir même s'il n'est pas totalement chargé. D'accord, je dois taper des trucs. Ok. Je veux bien taper des trucs. Hein. Il y a pas d'indication sur le champ de force là pour le moment. Par contre, c'est bien, je récupère. Donc, je vais pouvoir me construire peut-être une autre épée. Là, je récupère pas mal de trucs. Pas mal. Ah! Casse-toi, toi. L'abeille un peu chiante là. Voilà. Hop. On va taper des trucs. Là, j'ai récupéré l'herbe. Ok, d'accord. Là, j'ai l'herbe de machin. J'ai besoin. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça commence à devenir intéressant. Bon, il y a un petit peu plus de monstres. Monstre, je vais arriver. Hop. Là. Regarde. Il pourrait y avoir un canon là-dedans. Pourquoi pas. Tu as assez d'imagination, ce canon pourrait être réel. Ouais, bon, on va voir. Je sais pas si j'ai assez d'imagination. Bah, il en faut 15 donc oui il est... J'en ai assez. Là, ça c'est quoi ça? Ok. Ouais c'est... Pas mal. Wow. Ce gars a une tête énorme. Peut-être qu'il sait où se trouvent les fragments. Bonjour. Oh c'est seulement des enfants. Vous cherchez des fragments colorés? J'ai vu des sales types tout pâles. Ils sont allés dans cette cave. Ah bah viens on y va. Là, il y a un truc. Non. Les gardes libides sont entrés dans cette cave. Je dois les arrêter avant qu'ils ne s'enfuient avec mes fragments. Ouh, c'est le garçon. Ne laissez pas s'approcher des fragments. Et là, on va voir un boss. Les gardes libides, à l'attaque. Oula, ah ouais quand même. Ah ouais. Mais j'ai pas de. J'ai pas de. Ah j'ai pas de protection. Ah mais c'est quoi ce jeu? Hop. Ah je vais mourir moi. Bon, ça va je peux courir mais. Merde. Bah je crois que je vais mourir. Hein. Et voilà, tu es mort. Et bah c'est pas grave. Tu es arrivé trop tard mon garçon. On est parti avec les fragments. Alors du coup j'avais du shit, j'en ai plus. Je sais pas où il est passé. Tout à l'heure ça tournait autour de moi et là ça tourne plus. Bon, ok. Pourquoi pas pouvoir imaginer, vas-y go. Donc pour moi Iceland c'est beaucoup trop cher. Direct je peux vous le dire 20 balles sur l'eShop c'est trop cher. On va attendre un peu qu'il baisse. À moins qu'il soit sur d'autres supports gratos prenez-le. Je sais pas, je vais pas regarder sur Android mais bon voilà. Au niveau de la maniabilité ça va, la maniabilité ça va. C'est pas... Non est-ce que ça va? Oui ils sont trop forts. C'est un combat inégal. Faut juste qu'on devienne plus fort. On peut les battre. Vision de tête de bidet. Ok. Au niveau du jeu et tout, c'est pas trop mal non plus pour les enfants. Si on se passe au niveau enfant, c'est pas trop mal. Pour la maniabilité, il n'y a pas de combo et tout. 2-3 boutons, ZR, ça va. Why not? Voilà. Le jeu, ça fait un an qu'il est là. J'en ai pas entendu méga parler. C'est un peu bizarre, mais du coup, moi, en découvrant un peu, en surfant un peu sur l'eShop, je l'ai vu, donc je l'ai pris. Au niveau des graphismes et tout, on sent clairement qu'on est sur Android. Après, ce que c'est dérangeant ou pas, on a vu des pires bouses.
sur Switch. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Hein. J'ai vu beaucoup, beaucoup plus pire. Moi, je vous le recommande pas du tout à ce prix-là. Par contre, si vous le trouvez à 5 balles, 8 balles, bah prenez-le. Ça peut être sympa comme aventure. Là, au niveau de la durée de vie, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il y a du farming, on va level up, on va augmenter nos épées, notre niveau de vie, on voit qu'on a des niveaux. Donc ça peut aller très très loin, en espérant que le jeu propose des niveaux divers et variés, qu'on puisse s'amuser. Pour le moment, ce n'était pas le cas. Donc là, on va rentrer dans ce canon. Donc voilà pour moi, au niveau de mes tests. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.